welcome to the club. You've been here for around 5 days now. How have you settled in and how proud are you to be at Watford? Ouais, merci beaucoup. Je me sens bien, bien à l'aise, donc le club est bien, l'organisation et tout, tout va bien pour l'instant, les entraînements. Pour moi, c'est un beau défi, quoi. Donc j'aime bien, donc ça va. What was the thing that appealed to you most about moving to Watford? Non, moi je suivais les clubs il y a longtemps, donc dès que j'ai appris qu'ils voulaient de moi, donc ça m'a motivé encore. C'est un club de tradition comme Watford, donc ça m'a motivé de venir jouer et donner les maximums et les meilleurs de moi pour l'équipe, pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. You moved from Congo to Belgium when you were 18, and now 5 years later you're here in England. So has it surprised you how quickly your career has brought you to the Premier League? Pour moi, je suis content. Pour moi, je suis content de passer les 5 ans de mon pays d'origine Congo, de Belgique jusqu'ici en Angleterre. C'est déjà une très bonne chose pour moi. Je suis content. Ce que je dois faire, je remercie surtout Anderlecht qui m'a permis de découvrir l'Europe. Elle m'a donné la chance et Eupen qui a fait de moi un joueur professionnel. Mettre un miroir et la confiance que Watford m'a donnée pour être ici. Donc j'espère donner le max. Mais pour moi, c'est une fierté et c'est un bon défi pour ma carrière. You mentioned before that Watford is a club with tradition. What do you know about Watford and how much have you been following the club's progress in the recent years? Oui, j'ai regardé la plupart des matchs de Watford. J'ai joué contre les Manchester, contre Chelsea, beaucoup de matchs que j'ai regardé aussi du club. J'ai regardé parce que j'aime bien le football anglais, donc c'était mon objectif parmi mes projets de venir jouer ici. Et j'ai regardé aussi les clubs bien avant. J'étais content aussi de savoir qu'ils m'ont sollicité pour venir ici. Now, Claudio Ranieri told us last week that you can play in a number 6 role, but you can also play on the left of a two-man central midfield. What would you say are your main qualities as a midfielder? Moi, je suis un peu polyvalent, je m'adapte à beaucoup de positions. Je vais jouer au milieu. Il y a longtemps, on m'était aussi comme latéral, donc je faisais de mon mieux, mais je suis un peu polyvalent, je peux m'adapter à toutes les positions, mais ma position initiale, c'est le milieu. Donc. You've scored 4 goals in your professional career, but they've all come this season. So what's changed in your game to mean that you're now contributing goals as well? De goal, c'est le système que je jouais à Eupen, parce qu'à Anderlecht, je jouais plus défensif. J'étais plus défensif, je n'étais pas vraiment offensif, mais quand je suis parti à Eupen, avec le nouveau manager, donc il m'a mis un peu offensif. Donc, comme je viens de dire que je suis un peu polyvalent, je peux faire box-to-box, donc je peux jouer comme 6 types. Donc, et là, il y a des fois, il me mettait comme un peu milieu offensif et je m'infiltrais pour aller marquer tous ces goals. C'est cette année qui m'a donné la chance de jouer un peu offensivement. You're still only 23, but you come here with a lot of experience for your age. What did you learn from playing in the Europa League at the age of 20? Ouais, dans l'Europa League, j'étais encore, j'avais pas encore beaucoup d'expérience, mais pourquoi je dirais aussi merci à tous les coachs, tout ce que j'ai eu comme coach, comme coéquipier, plus expérimentés qui m'ont aidé aussi à avancer. C'est avec eux donc j'ai eu un peu d'expérience. Le plus de temps que j'ai joué avec des joueurs expérimentés, c'est ça qui m'a permis aussi de progresser. Donc, l'Europa League, c'était bien, c'est des compétitions qu'il faut jouer pour prendre un peu d'expérience. You're not the only player in the Watford squad to have been born in Congo. Did you know of Christian Cabasele before you came here and has he helped you to settle? Ouais, je connais Christian depuis Genk. La joue, il est passé aussi par Eupen, donc je le connais depuis longtemps. Donc quand je regardais, avant même de venir en Europe, je voyais jouer parce que je regardais tous les championnats.
Quand je suis venu aussi en Europe, donc lui il était déjà parti, mais je l'ai suivi, donc je connais bien Christian. Et il m'aide, de tout le monde, ils sont là, c'est pas seulement Christian, il y a aussi Sema, il y a aussi un Congolais qui m'aide bien, il y a aussi Moussa qui est trop gentil, qui nous aide avec beaucoup de choses. Donc je connais Christian il y a depuis, donc on s'entend vraiment bien. You said on social media that you're looking forward to discovering the stadium and meeting the supporters. What have you been told already about the fans here at Watford and in England? Ouais, je sais bien qu'ils sont bien motivés, qu'ils savent bien supporter leur équipe. Comme j'ai regardé souvent les matchs, je vois qu'ils sont motivés, ils soutiennent bien leur club, il y a l'ambiance, donc à la motivation et ça donne envie de jouer et ça motive encore plus. Great, well, thanks for joining us and we wish you good luck for the rest of the season. Thank you very much.